12 pistolets de merde. Je suis quand même pas arrivé, il y en avait bien 9. Évidemment, c'est moi qui vais prendre. Ah, putain d'artiste. Ah, ils s'en foutent bien de mon travail, des gens comme moi. Il n'y a qu'eux qui comptent. Si on ne parle pas d'eux, ils croient qu'ils sont pas là. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que vous faites là ? Excuse-moi, Simon. Ah ben le voilà. Ça fait une heure que je le cherche. Il ne faut pas vous gêner. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? C'est des pièces de collection. Combien de fois je vais le répéter ? Je sais, Simon. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je te tue. Non mais attendez, attendez, c'est pas grave, hein, pour le pistolet, vous pouvez le garder. Il faut que je te tue parce que tu es malheureux. Je suis malheureux ? Oui, je préfère tuer quelqu'un de malheureux. Mais pas du tout, mais c'est pas malheureux. Alors Simon, t'arrêtes pas de te plaindre, de ronchonner tout le temps, y'en a marre, un de ces quatre, je vais te soulager, Simon. Non, 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 attendez, ça va mieux, ça y est, ça va mieux. J'ai réfléchi, j'ai envie de rire, de chanter. La, voyez, regardez. Oh, j'aime bien les oiseaux, le soleil. Oh, je vais faire des enfants. Simon, tu n'es pas sincère, Simon, tu n'es pas sincère. Aïe. Ah, mais tu vois, tu te plains tout le temps, tu vois. Non, mais enfin, si ça me plaît d'être malheureux, quand même. Je suis heureux, moi, d'être malheureux. C'est obligé que vous tuiez des gens malheureux. Mais sinon, je peux pas écrire. Et le théâtre fermera, c'est ça que tu veux? Bah non. Attendez. Je vais vous en donner des idées. Oh, ça y est. Oh, j'ai une idée. Oh là là là, quelle idée. Mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, mais bien sûr, oh là là. Oh là là, c'est une idée, alors ça, c'est l'histoire. L'histoire de... Attendez, c'est pas ça, pas comme histoire. C'est l'histoire d'un farfadet. Un farfadet Attendez, c'est là que c'est le mieux. Le farfadet, il est perdu dans la lande. Et c'est normal parce que c'est bourré de menhirs. Alors le farfadet, il est. Mais tout à coup, il entend une petite voix. Oh, une toute petite voix. C'est une farfadette qui est là-bas, au loin. Elle est perdue derrière un menhir. Alors le farfadet, il est content. Et puis il se met à crier. Eh oh, où es-tu? Et puis comme tous les farfadets, il se met à danser. Et il danse bien, le farfadet, il danse. Mais oui, je suis là. Ah!